Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition, notre journal de la culture. Aujourd'hui, nous allons suivre de près toutes les activités culturelles qui ont eu lieu cette semaine au Caire et en Égypte. Le samedi 19 décembre, un spectacle pour l'orchestre du Caire symphonique aura lieu au Grand Théâtre à l'Opéra. Le dimanche 20 décembre, la troupe de musique arabe Patrimoine propose un spectacle au Théâtre d'Institut de musique arabe. Le lundi 21 décembre, la troupe Patrimoine et Delta Noura présente ce spectacle au théâtre du Palais del Ruri. Le mardi 22 décembre, le Centre de liberté de créativité Alexandrie héberge une exposition de photographie. Le mercredi 23 décembre, une variété de scènes de ballet Casse-Noisette pour la troupe ballet d'opéra aura lieu au Grand Théâtre. Et enfin, le jeudi 24 décembre, des spectacles d'Arago et d'épouvantail sera présenté au théâtre de Beit Sahimi. L'Institut supérieur de musique et le Conservatoire a organisé un concert musical au Petit Théâtre à l'Opéra, a présenté le spectacle Une bande des profs et étudiants de l'Institut du Conservatoire sous direction du joueur du violoné Dr. Sam Ibrahim. Le concert a regroupé des chefs-d'œuvre variés de pièces musicales classiques et de jazz. Thank you.
Le spectacle était présenté par les étudiants de classe secondaire et supérieure des départements piano, instruments à cordes, enroulement et rythme, de même musique de chambre, de composition et chansons. Le programme a regroupé des œuvres musicales pour Giuseppe Verdi, Richard Sherman, Roger Miller et Bob Coleman, de même des œuvres pour Ahmed El Hanawi. Et pour la première fois, étaient présentés des solistes par Fadi Maher, Rehab Hamdi et Amr Sobhi. Le Caire accueille plusieurs activités culturelles, que ce soit des expositions, des concerts et des spectacles. Nous allons découvrir à présent quelques événements qui ont marqué la semaine. La troupe de Abd al-Halim Nouaira de musique arabe, sous direction du maestro Salah Roubaji, a présenté un spectacle musical au Théâtre d'Institut de musique arabe au cours de la série de festivités Kalsoumiyat. Le spectacle était présenté par Red Adam et Ahmed Touri, a regroupé ainsi une bande sélecte des plus célèbres ouvrages du grand star d'Orient Oumou Kalsoum,
qui était en coopération avec les grands compositeurs comme Bali Hamdi, Mohamed Abdelwahab, Mohamed Al-Qasabdi, Saïd Mekawi et d'autres des géants de composition. Thank you.
À savoir que l'Opéra du Caire organise une série de festivités artistiques mensuelles sous titre de Kalsomiyat à l'Institut de musique arabe pour célébrer la dame de chansons arabes Oum Kalsoum et dans son plan de faire vivre le patrimoine de musique arabe et le faire connaître aux jeunes et aux générations futures en tant qu'un part authentique de l'histoire d'Égypte et un passerelle qui relie entre le passé, le présent et le futur. Thank you.
vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie aujourd'hui et notre tournée culturelle. Rendez-vous la semaine prochaine afin de continuer à découvrir d'autres activités culturelles à travers notre journal de la culture. À la prochaine.